Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul action. Alors j'ai déjà commencé par acheter une nouvelle carte SD pour 11,49€. Il m'en fallait une, c'est une 16 Go. Voilà. Ensuite le sac, hein, comme d'hab, 15 centimes. J'ai pris un nettoyant tapis à 1,57€ parce que je vais faire mon canapé avec. Voilà, donc c'est délicat. Donc je suis contente de l'avoir pris. Ensuite j'ai pris un 2 piques de jardin oiseau. Donc j'ai pris le flamant rose. Voilà. Pour décorer un petit peu pour le printemps. Et j'ai pris en forme de paon. Voilà. Il est trop joli. Les couleurs sont trop belles. 1,99€. Ensuite j'ai pris un wok à 9,99€. Voilà. Que j'ai envie de faire des wok. En ce moment, je suis très cuisine chinoise, japonaise. Ensuite, j'ai pris un vinaigre nettoyant à l'eucalyptus. Bon, ça sent le vinaigre, hein, ça sent pas l'eucalyptus. Mais bon, c'est un vinaigre nettoyant. Voilà. À 59 centimes. Ensuite, j'ai pris un set de pinceaux pour les enfants à 99 centimes. Mais c'est pas que pour les enfants, c'est pour moi aussi parce qu'il me fallait les petites éponges là. Voilà. Ensuite j'ai pris des amandes. 150 grammes pour 1,98€. Voilà. J'ai pris un hydropropulseur pour les dents. Donc là on met dans le réservoir de l'eau diluée avec du bain de bouche. Et vous faites des petites pressions et ça nettoie entre vos dents. Donc c'est présenté là-dedans. Voilà, c'est pour bien nettoyer si les gens ont des appareils dentaires. C'est vraiment très pratique. Ils en vendent un en ce moment chez Lidl à 12€. Un hydropropulseur, voilà. Donc moi je l'ai eu à 3,79€ chez Action. J'ai pris un mini kit de culture. Il y a plusieurs variantes. Il y a des trèfles, du basilic, de la menthe, plein de choses. Moi j'ai testé les carottes. Donc on va planter, on va voir ce que ça donne. J'espère avoir des mini carottes peut-être dans mon balcon. Je ne sais pas, mais j'ai tenté ça. Ensuite j'ai pris du nougat chocolat. J'avais très envie de nougat à 99 centimes. Ensuite j'ai pris des Kinder Happy Hippo. Donc c'est des petits Kinder hippopotames pour les enfants à 1,89€. Ensuite j'ai pris des cotons-tiges. Il y en a 300 pour 52 centimes. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris plus parce qu'il m'en fallait beaucoup. J'ai envie de faire un stock. Ensuite j'ai pris un masque aux yeux concombre. Donc il y a 4 pièces. Masque pour les yeux au concombre. Donc je vais tester ça, je vous en reparlerai. Rafraîchit, hydrate la peau, à mettre sous les yeux, voilà, laisser agir pendant 30 minutes et retirer le patch. Voilà, donc on va voir ce que c'est à 99 centimes. J'ai pris des boules de bain, au départ je me suis dit non, on les prend pas et puis finalement ben, à la fin j'ai quand même craqué. J'ai pris des boules de bain, donc j'ai pris celle-ci, la bleue, 1,95€. On verra ce que ça va sentir. C'est les styles imitation Lush. Et j'ai pris la gold en pailleté comme ça. Voilà. Ensuite j'ai pris des tortillas à 99 centimes. Et il y en a 8. Voilà. Ensuite j'ai pris un couvercle anti-projection 1,85€. Voilà, donc vous laissez passer la vapeur et tout. C'est chouette franchement ces couvercles là. Et c'est vraiment même pas cher. J'ai pris des petits dopers choco. Alors ça c'est quoi? Ah c'est ça. Ouais, j'en ai pris 3. Donc c'est pâte à tartiner, donc style Nutella à tremper. J'en ai pris 3. Voilà, qui ont coûté 75 centimes le paquet. Ensuite, j'ai pris un Toblerone à 1,19€. J'ai pris des M&M's aux cacahuètes normales et j'ai pris tout chocolat. J'en avais trop envie hier dans la voiture et j'en avais pas. Et j'ai dit à mon chéri, demain je vais chercher des M&M's.
Ensuite, j'ai pris des chamallows coca pour les enfants. Et des chamallows bubblegum. Donc, on va goûter à 79 centimes. Ensuite, j'ai pris des pierres ponces pour les pieds. Voilà. Et avec le rouleau massage. Donc, pierres ponces, il y en a deux. C'était 95 centimes. Ensuite, j'ai pris un beurre body scrub, le Cherry Blossom. Donc ça, c'est au cerisier du Japon, n'est-ce pas? J'adore cette senteur, donc je vais la tester. C'est un sel de bain exfoliant, en fait. Et apparemment, il sent super bon parce que j'ai vu la vidéo de Tata Zozo. Si tu me regardes, je sais plus son pseudo, mais elle l'a présenté, elle a dit qu'il sentait super bon. Il y avait le violet aussi, mais j'ai pas pris le violet. J'ai pris le rose, voilà. Et ensuite, j'ai pris des chocobits. Donc, il y a écrit chocobits à 1,15€. Voilà. Donc on va les goûter, hein. Il y a de la noix de coco, je sais pas, peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Ensuite j'ai pris un gel à l'aloe vera 1,99€, donc il y a 92% d'aloe vera. Et des fois même en pharmacie, pour le prix, on ne trouve pas 92% d'aloe vera. Et là j'étais super contente parce que pour 1,99€, tout le pot là comme ça, j'en mettrais sur mes cheveux et tout, il y a quand même 92%. Alors c'est sans parabènes, sans colorants et... Alors c'est marqué sans parabènes, sans parfum, sans alcool. Voilà, franchement c'est riche en vitamines, renouvelle les cellules et tout, c'est vraiment chouette. 92%, hein, franchement, même en pharmacie à ce prix là, on trouve pas du 92%. Ensuite j'ai pris des Kit Kat single comme ça. 2,15€. J'ai pris le Dove déodorant concombre, celui-ci. Voilà, j'avais plus de déo, 1,89€. Et j'ai pris un spray pour les cheveux de la marque Aussi. Donc ça, c'est la même marque que l'après-shampoing, enfin la même senteur. Et c'est un démêlant, en fait, qui sent super bon. Moi, je trouve que ça sent le bonbon, en fait. Et il y a une période où j'adorais ce shampoing, j'adorais cet après-shampoing. Et là, du coup, pour 2,95€, normalement, ils sont à 7€ ces produits-là, même chez DM. Et ben là, chez Action, il était à 2,95€. Moi, j'ai halluciné, j'ai dit hop, tu viens avec moi, toi. Donc voilà, c'est tout pour mon haul Action. J'espère qu'il vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. A bientôt, ciao. J'ai goûté les chocobits parce que ça m'intrigue un petit peu. Ce sont des boules. Alors t'as soit la noix de coco, soit crispy, ou soit cacahuète. C'est comme des mini bounty. C'est comme des mini bounty. Ouais, c'est pas mal. Faudrait voir les autres. Les crispy, faudrait goûter les cacahuètes.